8 mm d'épaisseur pour une puce que l'on pourrait bientôt implanter dans votre cerveau. Neuralink, la start-up du milliardaire Elon Musk, vient d'obtenir l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester sur des humains les implants cérébraux. Des appareils connectés qui permettront de communiquer avec les ordinateurs directement via la pensée. À la fin, le but, c'est de créer une interface cerveau-machine pour que nous soyons en symbiose complète avec l'intelligence artificielle. Ça ne sera pas obligatoire, mais vous pourrez choisir de l'avoir. Les premiers tests ont été réalisés sur des animaux. Ici, ce singe équipé d'un implant dans le cerveau est capable de déplacer le curseur d'un jeu vidéo uniquement par la pensée et le mouvement des yeux. Pour arriver à cette avancée, Neuralink a par exemple enregistré sur un cochon en mouvement les impulsions générées par ses neurones. L'implant est capable alors de comprendre l'activité musculaire de l'animal et pourrait la recréer via une machine. De quoi redonner de l'espoir à de nombreuses personnes paralysées. Des personnes paraplégiques qui ne pouvaient plus marcher pourraient à nouveau se tenir debout et même déclencher des mouvements de pas, voire même monter des escaliers. Et puis enfin, des paralysies de la voix, paralysies qui empêchent de parler, et bien là aussi, avec l'implant, on pourrait déclencher la parole simplement par une volonté psychique de déclencher cette parole. Neuralink souhaite étendre cette technologie à tout le monde en connectant les humains à leurs machines. Une plongée dans le futur qui pose de nombreuses questions éthiques. La question c'est, avec qui vous partagerez vos pensées? Est-ce que les entreprises seront capables de les connaître? Si vous utilisez ces interfaces avec les machines pour jouer à un jeu par exemple, ou sur des applications, comment vos pensées deviendront des données dans le futur? C'est une question cruciale. Plusieurs compagnies ont investi sur ce marché. En début de semaine, une expérience avec des implants menée par une équipe franco-suisse a permis à une personne paralysée de remarcher. La frontière qui sépare l'humain de la machine n'aura jamais été aussi mince.